Salut les amis, comment allez-vous? Moi ça va super. Alors aujourd'hui on se retrouve sur Black Ops 3 pour vous présenter les 100 kills, plutôt les plus de 100 kills parce que je fais exactement 101 kills. Alors vous le voyez, on est sur la map Nuketown en domination hardcore, je précise bien hardcore. J'étais avec Perico Fresh 13 et Matteo 11-03-02. Alors du coup j'ai fait les 100 kills, j'étais à la CUDA en domination. Alors vous allez voir qu'au début je vais faire du score comment dire, normal. Je suis à peu près 30 ou 40 kills, un truc comme ça, et ça sera à partir de la deuxième manche que j'ai fait du gros score. Alors je vais vous laisser regarder. Alors vous voyez bien que j'ai ma petite CUDA. Voilà. Je monte le sang. Voilà. Alors là, j'enchaîne de suite avec B parce que moi, si on Ukraine, je prends de suite B. Là, je lance une petite charge d'équipe. Alors j'essaye toujours de faire des éliminations capture. Du coup, là, j'en ai réussi une. J'étais super content, ça me faisait plus de 200. Après j'ai réussi 2, ça me fait 200 plus capture, ça me fait déjà 600. J'ai 600 points de mon Nighter, c'est déjà pas mal. Parce que je joue avec Hater, Raps et Vaisseau-mère. Du coup c'était pas mal déjà. Du coup là je continue, j'enchaîne avec encore un kill. Vous allez voir que je vais beaucoup rusher, des fois non. Alors déjà là je suis mort. C'était dommage, c'était déjà en 6-1. C'était bien parti pour Nighter. Mais c'est pas grave, du coup là je rush direct dans leur spawn. J'enchaîne avec un kill. Là, on est en train de capturer des. Mais je crois pas que je l'ai, je crois. Non, ouais, je crois que je l'ai. Ouais, je l'ai eu. Du coup, déjà, ça me fait plus de 200. Ce qui est pas mal. Après, je défends un petit peu B. Voilà, déjà là, j'enchaîne avec un kill. Et en plus, quand j'ai fait cette vidéo, je pensais pas faire les plus de 200 kills. Je jouais normal en fait. Alors là vous allez voir que j'ai beaucoup temporisé à cet endroit là parce que pour spawner c'est sympa ce petit endroit parce que les gens ils viennent beaucoup par le garage. Et en plus on peut avoir un ice sur aussi le côté droite de la map, qui est pas mal, vous allez voir que je reste beaucoup ici. Voilà, du coup j'enchaîne un petit peu vite fait les kills, là je suis en 11-1, ce qui est pas mal, regardez en face le score 5-5, 5-2, 3-8, 1-8, 1-9, 1-6, c'était vraiment mais des dreads. Je me demande comment je fais pour tomber contre ça. Là je fais la double, voilà, là j'ai mes raps. Là je suis mort, c'est pas grave, j'étais mort à 3 kills de mon vie, mais c'est pas grave parce que j'ai mes raps. Là déjà je lance un hater mes raps. Vous voyez bien que je suis en 16-2. Ce qui est pas mal en hardcore parce qu'en hardcore on prend des balles perdues vite fait hein, en hardcore. Voilà, déjà en face à du Razorback, une arme que je déteste, mais que je déteste, je me demande comment ils vont jouer à la Razorback. Moi j'arrive pas, franchement j'arrive pas. Et en plus un hardcore c'est une des armes les plus chiées. Et j'aime pas quand on joue contre, contre moi à la réservoir. Voilà. Enfin, déjà là je suis en 19-4. Qui bof parce que je suis mort deux fois comme une grosse merde. Mais c'est pas grave. Voilà, du coup j'enchaîne les kills, là je suis dans la spawn, j'ai fait voilà hop la petite triple. Après j'enchaîne avec B, là vous voyez bien que je suis en 25-26-4. Ce qui est pas mal avec 2 captures et 3 défenses. Du coup voilà, là j'ai mis mon concentration, je suis mort encore à 3 kills de mon vaisseau-mère. Mais c'est pas grave, je lâche pas, je continue. Alors là voilà, je remets encore mes raps, c'est mon hater. Ce qui est déjà pas mal, de raps, de hater en une manche, c'est vraiment mais vraiment pas mal pour moi plutôt. Même si c'est facile à les débloquer pour ceux qui jouent vraiment les séries. Mais moi encore je veux pas trop les séries, mais plutôt les kills. Sachez que les raps je les mets pas quand je joue en normal parce que en normal je fais pas beaucoup de dégâts alors que en hardcore oui je les mets, mais si de points normal c'est Phantom, Hater et Vaisseau-mère, des fois c'est rap mais c'est rare. Ok trucker 1-2, bien reçu. En fait. Du coup voilà, alors là je suis dans leur spawn, je vais essayer d'enchaîner des kills, pardon. Là vous voyez bien que je suis en 33-8 alors que déjà 82 à 36. Au début, je me suis dit, au début, après toute la deuxième manche, je me suis dit, oh Pierre, regarde, je l'ai fait tranquille, les 100 kills. Je fais, ouais, vas-y, tranquille. Du coup, j'ai tenté à partir de la deuxième manche. Alors, du coup, là, on va perdre votre B. Du coup, je me suis dit, bon, on va laisser un petit peu B, comme ça, moi, il remonte le temps que la prolongation, quoi, plutôt, pardon, la première mi-temps se termine. Au fin de compte ils l'ont pris, je me suis dit bon je regarde les points, je me suis dit bon c'est bien terminé, je vais tenter d'aller le prendre au moins pour bien commencer en deuxième partie. Et je sais pas si je l'ai pris par contre. Attention, on va voir ça. Là déjà je me fais une élimination capture, ce qui est déjà pas mal. Ah ben alors je suis mort, c'est pas grave.
coup, je me suis dit, allez, il y a 97, 98, je vais tenter, mais je l'aurai pas. Voilà, je l'aurai pas. Et en plus, c'est mon allié qui m'a tué. Ah, ça, j'étais dégoûté. Au moins, j'aurais pu bien commencer avec au moins une élimination capture. Ben non, eh ben non, mon allié m'a tué. Il fallait que ça soit lui. Ah, j'étais dégoûté. En plus, là, il y avait la killcam. Et en plus, dans la killcam, on voit me faire tuer. Ah, ça, j'aime pas ça. Parce que c'est moi qui fais la killcam finale. Bon, du coup, là, on attend. Voilà. Allez, c'est parti pour la deuxième manche. Vous voyez bien que je suis en 37-12. Ce qui est pas mal déjà pour une première manche. Alors, vous voyez bien que je vais jamais assez. Je vais de suite taper. Des fois, de temps en temps, je vais assez, mais c'est très rare. Alors, normal, je vais assez, mais en arpa, je vais de suite taper parce que celui qui prend en premier, pour moi, c'est celui-là qui gagne. Voilà, c'est pas grave, j'ai fait une double élimination capture, mais c'est pas grave, je vais continuer, continuer, continuer jusqu'à ce que j'ai. Parce que moi, je lâche pas tant que j'ai pas B. Vous allez voir, j'y retourne, j'y retourne et j'y retourne. Par exemple, là, je meurs encore. Je vais encore y retourner, voilà, là, je suis en 44, ce qui est déjà. Et bof plutôt, je suis mort 14 fois à chaque partie. Je me dis, il faut que je meure moins de 10 fois, et ça fait vraiment augmenter le ratio. Bon, des fois, vous allez voir que je m'en bats les couilles du ratio. Alors là, je suis encore mort, mais je m'off-team et je vais toujours prendre des. Alors là, voilà, là, les amis, en privé, en fait, que dans l'équipe, il n'y a que moi qui joue l'objectif. En fait, eux, ils s'en battent les couilles, il n'y a que moi qui joue l'objectif. En fait, si vous voulez, on gagne grâce à moi. Voilà. Voilà, déjà je fais une élimination capture. Plus encore une élimination capture, ça fait déjà plus 400. Je crois que j'en ai fait encore une, ça fait 600. Plus la concentration, ça fait 6, 7, 8, ça fait 900 points, j'étais pas loin. Du coup, voilà, là j'ai Hater, Raps. Et vous allez voir que je vais réussir à débloquer le vaisseau mère. Enfin, alléluia. Là je suis bon, il y a plus personne, ça, je fais quand même attention. Là, ah voilà, vaisseau mère. Là j'envoie les raps. Vaisseau mère prêt pour intervention. Et là j'envoie de suite le vaisseau mère. Alors vous voyez bien que je suis encore en succès. Retenez bien ce score parce que vu mes raps et mon vaisseau mère et mon carcanage, retenez bien ce score de 48-16. Et vous allez voir, après le vaisseau mère, je vais vous remontrer le score. Là, je suis en 49. Vous allez voir la différence de points. Allez, c'est parti, regardez bien le vaisseau mère. Bon, par contre, j'ai un petit peu de mal parce que là, le vaisseau mère va vous en. Et en plus en arcor, on a le point rouge autour, mais comme j'essaie de spawn filer en fait, je voyais pas les points rouges, du coup je tirais de partout dans leur spawn, c'est pas grave. Et en plus c'est bien parce qu'une balle à mort, du coup ben, c'est mieux. 3 éliminations confirmées. Et j'avais oublié que j'avais les roquettes en fait. 2 victimes. Enfin c'était pas grave. Mais j'ai trouvé quoi. Ce moyen là il existe depuis longtemps. Si vous faites 3, vous pouvez changer de. Changer la caméra et ça fait vision thermique. Ça veut dire les amis que vous voyez en rouge qui spawn en fait. C'est pas besoin d'attendre qu'il y ait le rouge autour d'eux, ça spawn directement en orange et c'est vraiment pas mal. Alors là vous avez vu que les amis utilisent sûrement des sommaires, vous allez voir qu'il va pas se mettre dans le sommaire. Il y a la barre en haut dessus du sommaire. Une victime. Je crois pas que ça va se terminer si tu m'en rappelles. Ça va pas se terminer parce qu'ils vont me l'éliminer. C'est ma part. Donc je vais m'en faire encore 2-3 kills de plus. L'ennemi a détruit votre vaisseau mère. Voilà, là ils ont détruit mon vaisseau mère, j'aurais pu faire les deux fois. Voilà, j'étais en 48-16, maintenant je monte en 76-16. Ce qui est pas mal, vraiment pas mal même. Du coup je me suis dit à Pierre, j'ai dit oh Pierre, je peux pas tenter les 100 kills, j'ai regardé le score, je me dis ah, ça va, je pense que je peux les tenter les 100 kills. Du coup je me suis dit allez, vous allez voir que là maintenant je vais beaucoup mourir de temps en temps parce que je voulais killer, killer et killer. Et à force de foncer dans le tas pour tuer le plus de personnes après mourir, eh bien, vous allez voir que je meurs bêtement. Déjà voilà, alors là si vous avez entendu, il y a un survivre ennemi là qui va spawn juste devant moi. Je me suis dit il faut vite que je plume. Du coup je me dis allez, allez encore un petit kill au moins, là je suis en 78-17. Du coup je vois le survivre, je vois putain je me casse. Du coup, là voilà, en me cassant je me fais un petit kill. Par contre le survivre c'est chuté parce que dès que tu vois il te tire une balle, t'as pas le temps de partir. Voilà, je suis mort à cause de ce servirus. Voilà, là il y a un petit camper. Vous avez vu comme il était beau ce camper. Alors, le mec orange, lui qui fait pas trop cramer. Hein. Tiens, il dit. C'est pas cramé du tout. Non, là je kill encore. Mais c'est facile, c'est de la part de Akuma 666. Voilà, alors lui je lui mets un turn, mais magnifique. Lui aussi, en fait. Ouais, c'était magnifique cet turn-là. Parce que là je vais commencer à enchaîner les kills.
Ah, je m'en suis un encore. Là, je vais rentrer dans leur spawn. Là, je me fais la petite clip. Et là, le camp de Cerberus qui spawn devant moi. Et c'est grave que je suis mort à cause d'une émute à tête qui est vraiment cheatée sur cette arme. Alors, vous voyez que je suis en 86-21, ce qui est pas mal. Et il reste encore à peu près 16-16, ouais, une trentaine de points à peu près. Allez, 28 même. Il reste 28 points. Je me suis dit, allez, je peux les faire plus vite, je peux les faire 87. Vous allez voir que je fais de justesse. Du coup, là, je continue à killer tout en faisant des éliminations de capture. Parce que moi, j'aime bien, j'adore cette éliminations de capture. En plus, les mecs, c'est extrêmement nul. Alors, je sais pas pourquoi je tombe contre des mecs comme ça. Normalement, je tombe contre des mecs qui ont à peu près, je sais pas, niveau 100, niveau 200. Parce que moi, je suis niveau 300 maintenant. Directement niveau 311, je crois. Du coup, je me dis, c'est pas normal que je tombe contre des prestige 7 et tout. Bon, j'étais super content parce que j'ai 10 minutes. Mais bon, je sais pas, ce serait bien un petit peu de niveau pour m'entraîner. Mais c'est pas grave, tant que je suis de bonne partie pour vous le montrer. Ça me va. Moi. Alors, voyez là, je suis en 93-21, il reste encore 20 points. Du coup, je me dis, c'est bon, je vais être tranquille. Et en fait, non, vous allez voir que je suis de justesse parce que j'étais 101 kills. Et là, déjà là, je meurs, pardon. Et de suite enchaîné avec un kill. J'essaye de spawn kill, mais là, je trouvais personne. Vous allez voir, tu fais exprès de plus prendre de position pendant un petit moment. Fais exprès pour pas qu'il. Pour pas qu'on prenne de points en fait. C'est-à-dire qu'on reste à 183 et eux ils peuvent monter. Et j'ai même pas vu en fait le score. Moi, je m'occupais à killer. Et vous allez voir qu'à la fin, on gagne, je crois, 299 de justesse. Et je savais même pas en fait ça. Voilà, là je commence beaucoup à mourir. Par contre, vous allez voir que là, voilà, ils nous ont battu. Ça, ils sont à 188, on est à 186. Là, je vais commencer, je pense, à prendre des positions avec mes alliés. Alors, vous avez vu que j'étais à 97 kills. Là, je suis allé à 97. Ouais, 97. Là, ça fait 98. Là, ça fait 99. Et vous allez voir bientôt le 100 là. Et en plus, regardez le score. C'est 194, 190. Voilà. Du coup, je me dis, bon, allez, je vais mon petit. Concentration, et là voilà, je fais les 101 kills, je fais du 101-25, voilà 26 maintenant, et c'est terminé. Attends, c'est terminé. Ah ouais, on a perdu en plus. On a perdu. Bon, et c'est terminé. Du coup, c'était notre partie où on a fait 299, c'est pas grave. Et voilà, bon, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, et je pense que je mettrai aussi une vidéo. Si je la retrouve bien sûr en mon studio, parce que je filme pas en direct ou en live, parce que j'arrive pas à jouer en live. Du coup, je pense, si je la retrouve, ça sera une DNA d'entrée de jeu, mais avec série de points par contre. C'est pas une vraie DNA, mais c'est pas grave, déjà au moins une DNA avec série de points. C'est dur à tenter parce que pour les gens, il y en a qui arrivent pas. Du coup, moi j'ai réussi, c'est déjà bien. Et aussi, si j'arrive à trouver d'autres parties où j'ai fait du bon score, ou j'ai sorti des séries de points ou quoi, parce que certes, je mets pas que des bonnes vidéos sur ma chaîne, mais je mets quand même des vidéos. Mais je mets des vidéos aussi que je me fais un petit peu éclater, mais ça, je l'avoue, quand même, je tombe contre des mecs plus forts que moi. Je suis pas le dieu de PS4 Black Ops 3, mais quand même, ça, j'ai un bon niveau pour moi. Il y a des amis à moi qui me disent, ouais, t'es super fort et tout, pour moi, je suis normal. Bon, voilà, sur ce, je vous dis ciao, ciao, sur ce score de 101-26.